Décidément, ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris chez les gars. C'est-à-dire que nous, les filles, c'est trop facile pour nous de dormir ensemble, de prendre notre douche ensemble, de se voir là, comme ça, là, dans la même pièce, 3, 4, 5, on s'en fout. C'est facile pour nous que la nuit, tu lances le pied ou bien que quand tu es dans une détresse ou bien dans quoi que ce soit, tu demandes à ta copine, elle va te prendre dans ses bras, tu peux te coucher sur ses pieds, elle te fait plein de bisous et tout, par-ci, par-là. Ça dérange personne, ça choque personne. Mais entre les mecs, mamie, ne tente pas. Tu le regardes. Tu le regardes se met un peu bizarrement comme ça là, d'avoir plié idéal au coup de poing. Mais j'ai l'impression que ça c'était avant. Oh. Maman, maintenant non, les gars font un peu ce qu'ils veulent. Oh. Je vous dis toujours que tiens là, tu es soumise à ton gars comme ça, pourtant c'est la go de quelqu'un. En tout cas, c'est pas un problème qu'ils soient la go de quelqu'un. Le problème c'est qu'ils ne veulent pas assumer leur choix en fait. Il y a beaucoup de gars là dehors qui refusent d'accepter. Là, tu es à la maison comme ça, tu dis que bon père, tu te couches seulement comme ça avant de parler, alors que non. En tout cas, bref, là n'était pas le sujet. Les mecs, venez nous dire pourquoi est-ce que ça vous dérange autant que votre camarade passe à côté de vous. C'est pas aussi un être humain, ou bien c'est que vous êtes du. Nous aussi, nous sommes moumou, non. Mais on est là, collé, collé. Mais vous, du là aussi, il faut aussi rester high. Ça vous fait comment? Faut venir m'expliquer, pardon. Aujourd'hui, c'est lundi. Je sais que, où est-ce là, non? Quand vous parlez là, non? Limite, j'ai sommeil, je suis crevée. J'ai eu une journée difficile, franchement, mais bon. Ouais, je suis venue à Benfica, vous savez, au Cameroun. Mais si on dit qu'il rentre, il rentre pas!